Une fille. Aidez pas par la main, pas par la main, par la voix. Pas assez droit, avance un peu, avance un peu. C'est que moi, admettons, je suis masquée. C'est toi, toi, oui, je me mets avec la main. Ouais, Lina Puccio. Alors, Elodie, comment t'es venue cette idée avec cette initiation au Cécile Foot? Ben, je suis actuellement étudiante en BMF, donc on avait forcément un projet à faire. Aujourd'hui, je trouve que c'est important de mettre un point sur le sport handicap. De le faire sur une catégorie de U15, ça permettait de toucher le plus facilement, parce que sur les plus jeunes, ça n'a pas forcément d'impact. Donc là, l'idée, c'était vraiment de trouver une catégorie qui permettait qu'ils soient conscients des choses et de les toucher au maximum. Et puis le Cécile Foot, c'était une activité qui s'est bien déroulée avec des bonnes choses, une activité ludique entre guillemets sur ce qu'on nous on peut produire, et les filles ont dû se rendre vraiment compte de ce qui a pu se passer quand on voit pas forcément les choses, c'est pas le même sport, c'est pas la même chose, et du coup il y a de fortes chances que ça les ait touchées. À gauche, à gauche. Oh Lina, on va pas passer la nuit, hein. L'idée, c'est que départ ligne bleue. Non, ouais, avant. Voilà. À droite. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le fait de pas voir le regard, en vrai, parce que ça change d'habitude. Mais non, sinon c'est bien, puis c'est cool d'avoir des sensibilisations comme ça. Les copines qui te disent droite, l'autre gauche, comment on s'y retrouve? On essaie d'écouter qu'une seule voix et puis toujours rester fixé sur la même, mais sinon. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait un brouhaha. Allez, Mina, allez, vas-y, tout droit.